Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Donc il y a du monde. Donc Dominique, Laurence, Annick, Laurence, Chantal. Merci beaucoup. Anne, Rose Blanche, Dominique, Jacqueline. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Vous suivez les cours régulièrement, hein, au moins une fois par semaine. Hein. Après, si vous pouvez faire deux séances, bah, c'est encore mieux. Après, n'hésitez pas à reprendre les séances qu'on a déjà faites. Hein. Au niveau du son, c'est bon? Céline, salut Anne, salut Dani. Le son, c'est bon? Yes, bon, bah, parfait. Salut Isabelle, Marité, bah, il y a du monde. Vous êtes motivé ce soir. Laurence, bon, c'est cool, le son est bien, parfait. C'est Guylaine. Je vais cadrer un petit peu. Parfait pour le son, donc je vais juste cadrer. Hop. Par rapport au tapis, voir ce que ça donne. Je m'allonge complètement. Quoi. Hop, okay. C'est original. Donc, avec le soleil, ça ne gêne pas trop. Hein. Ou est-ce qu'il faut que je baisse le store? Je ne sais pas, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que je baisse le store? Et je vais baisser le store. Vous allez me dire la différence. Si vous sentez une, si vous voyez une différence, c'est mieux avec le store baissé. Bonsoir Daniel. Salut Martine. Salut Isabelle. Peut-être mieux que le store baissé en fait. Hein. Niveau de l'image, peut-être plus net. Hein. Je ne sais pas. Salut Carole, vous me dites, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus net au niveau de l'image. Avec le store baissé. J'attends vos. Oui, c'est mieux. On n'est pas de store baissé. Oui, c'est mieux avec le store baissé ou c'est mieux avec le store monté? Salut Pascal, mieux store baissé. Ok, bon bah génial, on va laisser le store baissé. Ouais, je pense que c'est plus net. Hein. Salut Philippe, salut Isabelle. Va commencer dans 3 minutes. Hein. Mieux avec le store, ouais, ok. Ouais, l'image est beaucoup plus nette. Hein. Donc on va laisser comme ça. C'est Sandrine, je vérifie par rapport au tapis. Donc ce soir, le matériel, hein, c'est juste un tapis et le petit coussin si vous voulez. Donc, il y a encore des gens qui se connectent. Oui, c'est mieux. Salut Maribel. Salut Corinne. Sandrine. Frédéric. Dominique.
Encore 2 petites minutes. Coucou Estelle, coucou Gabriel. Salut Françoise. C'est Brigitte. Oui, donc il y a de plus en plus de monde, donc c'est bien, vous êtes assidu, c'est bien, parfait. Encore une petite minute. Donc après, sur les anciennes vidéos, je vais essayer de couper, parce qu'en fait, je me connecte un petit peu avant, 5-10 minutes avant, on discute un petit peu, et en fait, je vais essayer de couper, raccourcir, comme ça, il n'y aura que les séances de Pilates, il n'y aura pas la discussion avant et la discussion après, comme ça, vous puissiez avoir directement l'essentiel. Encore jusqu'au 11 mai, oui, c'est ça. Salut Martine. Donc bonsoir à toutes et à tous, hein, j'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. Donc le matériel, juste un tapis et un coussin si vous voulez. On va enchaîner ce soir, hein, donc ça va être peut-être un peu plus soutenu que d'habitude. Donc après vous faites à la sensation, s'il y a des problèmes d'épaule, problèmes de dos, problèmes de coude, problèmes de genoux, surtout vous ne forcez pas, hein, vraiment à l'écoute de votre corps. Et puis, pour les gens qui commencent simplement le Pilates, essayez de regarder peut-être les vidéos avant. Et puis, si c'est un peu dur ce soir, faites ce que vous pouvez, hein, à la sensation. Voilà. Donc, on va commencer en position debout. Très bien cadré. Donc, on va commencer les pieds écartés à peu près largeur du bassin. On fléchit un petit peu ses genoux et on commence par placer le bassin en position neutre. Donc, on fait une petite rétroversion du bassin. De toute façon, on aura les épignacs et le pubis à la verticale. Donc, toujours cette position neutre au niveau du bassin de façon à respecter votre creux lombaire, votre syphose dorsale et le creux au niveau des cervicales, de façon à respecter les courbures lombaires. Une fois que le bassin est en position neutre, on va remonter le plancher pelvien. Donc, ça, il faut le travailler tous les jours. Plus on va le travailler, plus on va le sentir. On l'avait travaillé dans les vidéos précédentes. Donc, une fois que le plancher pelvien est remonté, vous allez aspirer votre nombril, engager vos transverses, hein, les muscles profonds des abdominaux qui stabilisent votre bassin et sécurisent votre colonne vertébrale. Ensuite, on va rentrer un petit peu les côtes, hein, en contractant les obliques, de façon à retrouver un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale. On place les doigts sur les épaules, on va inspirer, monter les coudes dans le plafond, on va chercher loin derrière et sur l'expiration, on laisse tomber tout doucement les avant-bras et les bras le long du buste. Et là, on a le bon placement de ses épaules. On abaisse un petit peu les épaules en glissant les omoplates sur les poches du pantalon. On allonge légèrement sa nuque, on garde loin devant. On va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement. Et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment, votre ventre doit se gonfler. Toujours votre transverse contractée. Simplement, les côtes s'écartent sur l'inspire, comme un accordéon, et qui se referment sur l'expire. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. La respiration est fluide. Sur la prochaine inspiration, on monte les épaules vers le plafond et sur l'expiration, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon. Concentrez-vous sur le glissement de vos omoplates. Le mouvement est fluide. Encore 2 répétitions. Une dernière. On garde les épaules basses, la nuque longue, toujours votre centre engagé. Le bassin reste en position neutre. On va alterner pointe de pied droit, pointe de pied gauche. Donc on va expirer, soulever tout doucement le talon droit, passer sur les orteils, puis on inspire, on soulève talon gauche. Donc à chaque fois, on fléchit le genou. J'expire sur une cheville, j'inspire sur l'autre. Et vous alternez. J'expire, j'inspire. Donc à chaque fois, je fléchis mon genou, je soulève mon talon, j'appuie bien sur les gros orteils, hein, c'est bien passé dans l'axe des chevilles. Et quand vous alternez, vous ne vous penchez pas vers l'avant, vous cherchez à monter, comme si vous étiez tiré par des ficelles vers le plafond. J'inspire, j'expire.
Les genoux restent bien en alignement de votre bassin. J'inspire, j'expire. Toujours un mouvement fluide, hein, calé sur la respiration. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. On repose les talons, ensuite les deux talons en même temps. On expire, on soulève les deux talons, on passe sur les pointes de pied, puis on inspire, on repose doucement. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Essayez de passer dans l'axe des chevilles, vous appuyez sur les gros orteils. Je contrôle la montée, je contrôle ma descente. Et on monte de plus en plus haut, comme si on était aspiré vers le plafond. Toujours votre centre engagé. Les épaules sont basses. Et donc là, on va ajouter les bras. J'expire, je soulève, je monte les bras à hauteur des épaules et j'inspire, je redescends. Paume noire face à face. J'expire, je monte. Toujours en soulevant mes talons. Je contrôle, je soulève mes talons, je soulève les bras et je redescends les bras, je repose mes talons. Attention que les épaules ne remontent pas. Les côtes sont rentrées. Toujours en partant de votre centre. Et puis au fur et à mesure, on monte un peu plus les bras, progression. Ne cherchez pas à aller très haut dès le départ. L'important, c'est que les épaules restent abaissées. Et toujours caler votre mouvement sur votre respiration. Et on monte de plus en plus haut les bras, toujours en soulevant les talons, en appuyant bien sur les gros orteils. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Encore deux fois. Une dernière. On repose les talons, on va alterner bras droit, bras gauche. On va expirer, monter le bras droit au plafond. On inspire, on descend, on monte bras gauche. Essayez de croiser auprès les bras à hauteur de vos épaules si vous pouvez, à hauteur de la poitrine. J'expire sur un côté, j'inspire sur l'autre. Les pieds restent ancrés dans le tapis. Le bassin toujours en position neutre. Et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx au sommet du crâne. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On replace ensuite les bras le long du buste, épaules basses. On va inspirer sur l'expiration, on incline tout doucement le buste côté droit. J'inspire, je reviens. Même chose côté gauche. Et là, j'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche. Toujours votre centre engagé. Donc ne cherchez pas à descendre trop bas, cherchez l'allongement de la colonne. Cherchez à vous grandir. Et on cherche la fluidité. J'expire, j'incline. J'inspire, je reviens. C'est d'appuyer autant pied droit que pied gauche. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ. On fléchit un petit peu ses genoux, on va faire des enroulés. Donc moi, je me mets de profil. Imaginez avoir un mur derrière qui vous empêche de partir avec les fesses vers l'arrière pour garder l'alignement cheville, genou, hanche. Donc j'imagine le mur derrière, les bras le long du buste, on regarde loin devant. On va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement. Et sur l'expiration, j'enroule tout doucement cervical, dorsal, lombaire. Vous laissez partir vos bras, vous creusez votre ventre, vous regardez votre nombril. Donc pas trop bas au départ, j'inspire, je stabilise, les bras sont complètement relâchés. J'imagine le mur derrière, j'expire, je prends un puits avec mes fesses sur le mur, je creuse mon ventre et je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales, je reviens en position de départ. J'inspire, je stabilise. À nouveau, j'expire, j'enroule tout doucement. Laissez bien partir vos bras, relâchez complètement les bras, creusez votre ventre, les genoux sont fléchis hein, pour l'instant, j'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale, long du mur. J'inspire. S'il n'y a pas de problème lombaire, vous allez pouvoir descendre de plus en plus bas, les genoux sont toujours légèrement fléchis. On descend progressivement sans forcer. S'il y a des problèmes lombaires, hein, surtout, vous assurez, vous ne forcez pas. Et j'expire, je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. J'inspire. Et à nouveau, j'enroule tranquillement. Laissez bien partir vos bras, creusez votre ventre, regardez votre nombril. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. S'il n'y a pas de problème lombaire, vous allez pouvoir tendre complètement les genoux, puis descendre de plus en plus bas. Sinon, vous ne forcez pas. Laissez bien partir vos bras, creusez votre ventre, pensez au mur derrière. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. Lombaire, dorsale, cervicale. Encore deux répétitions. J'expire, j'enroule. Laissez partir vos bras, creusez votre ventre. Regardez votre nombril. Essayez d'appuyer autant pied droit que pied gauche. Et j'expire, je déroule tout doucement. Lombaire, dorsale, cervicale.
On le fait encore une dernière fois, calé sur la respiration. J'enroule cervical, dorsal, lombaire. On laisse partir ses bras. Et on déroule tout doucement lombaire, dorsal. Et on relâche un petit peu. Très bien. Donc, vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. On va passer au sol. Donc là, je vais peut-être hop, remonter un petit peu. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Si vous voulez, vous pouvez prendre le coussin, placer le coussin sous votre tête. Hein. S'il n'y a pas de problème, vous faites sans coussin. Les genoux sont fléchis, les pieds écartés à peu près largeur du bassin. Les bras le long du buste. On laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On place le bassin en position neutre, c'est-à-dire aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. Si lors des mouvements, vous sentez que ça tire un petit peu au niveau du bas du dos, vous passez en position imprimée, vous plaquez vos lombaires en mettant vos abdominaux. D'accord ? Sinon, je reste en position neutre. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, et on va rentrer ses côtes en contractant ses obliques. On efface le petit creux dorso-lombaire. On glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon en tirant les doigts vers les orteils. C'est de relâcher au maximum le cou et les épaules. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. C'est de sentir votre respiration latérale thoracique. Hein, les côtes qui s'écartent sur l'inspire et qui se referment sur l'expire. J'inspire autant que j'expire. À aucun moment, votre ventre doit se gonfler. Toujours votre transverse contractée. Sur la prochaine expiration, on amène tout doucement la jambe droite puis la jambe gauche en chaise renversée. Donc les genoux sont placés au-dessus des hanches, les tibias sont parallèles au sol, les pieds sont pointés vers le mur devant. Donc, pas de jambes comme ceci. Hein. Si jamais ça tire un petit peu, bah, vous ramenez un peu plus les genoux vers vous, vous plaquez vos lombaires. Sinon, vous restez en position, hein, chaise renversée, position neutre au niveau du bassin. On va commencer par des relevés de sacrum. On va inspirer sur l'expiration. Je creuse mon ventre, je décolle tout doucement le sacrum du tapis en tirant mes genoux vers le plafond. Puis j'inspire, je repose doucement. Donc là, vous ne cherchez pas à tirer les genoux hein, vers vous, cherchez plutôt à soulever vers le plafond. Donc forcément, les genoux viennent vers vous, mais cherchez plus le plafond. Pour bien travailler la partie inférieure des abdominaux. Donc je contrôle la montée, j'expire, je décolle doucement. J'inspire, je repose doucement. Vous pouvez prendre un petit peu appui sur les bras. Après, si vous pouvez le faire sans appuyer sur les bras, c'est encore mieux. On part du plancher pelvien, on remonte la contraction. J'expire, je décolle doucement. J'inspire, je repose doucement. Toujours un mouvement fluide. Encore deux répétitions. La dernière. On revient en chaise renversée. Vous allez pouvoir resserrer vos chevilles, resserrer les genoux. Donc là, vous pressez vos genoux, pressez vos chevilles. Vous allez pouvoir écarter les bras de chaque côté, les mains donc à plat au sol, on a les bras en croix. On va faire un tout petit mouvement. On va expirer. Je vous montre, laissez partir tranquillement les jambes sur le côté droit. La fesse gauche décolle légèrement, mais c'est vraiment très léger. J'inspire, je reviens au centre. Je repose ma fesse. J'expire, je pars légèrement à gauche. Ma fesse droite décolle un peu et j'inspire. Donc, c'est pas, je laisse partir complètement. Hein, on ne cherche pas ça. C'est vraiment un tout petit mouvement. On va le faire à droite. Donc, j'expire, on laisse partir légèrement à droite. Hein, ma fesse décolle un petit peu. J'inspire, je repose doucement. J'expire, je pars à gauche. La fesse droite décolle un petit peu. J'inspire. Tout petit mouvement. On décolle légèrement et toujours en gardant les genoux serrés. Vous gardez vos épaules plaquées contre le tapis. Et là, je me concentre sur les muscles de la taille, les muscles obliques. Donc, petit mouvement. Toujours votre centre engagé. J'expire, je laisse partir légèrement. J'inspire, genre, il n'y a pas d'à-coups, hein, c'est fluide. Hein. On contrôle le mouvement. C'est vraiment un tout petit mouvement. On laisse partir, mais toujours en pressant vos genoux, en pressant vos chevilles. Les épaules restent ancrées dans le tapis. J'expire. On le fait encore une dernière fois à droite. On revient dernière fois à gauche. On revient au centre. On replace les jambes largeur du bassin. Les bras le long du buste. On va faire des relevés de buste. Les mains à plat sur le tapis. On va inspirer sur l'expiration. J'enroule tout doucement le haut du buste en glissant mes doigts vers le mur devant. J'inspire, je déroule. Je repose à peine ma tête. Et à nouveau, j'expire, j'enroule. Imagine avoir une balle sous le menton qui empêche le menton de trop rentrer.
façon de ne pas stresser vos cervicales. J'expire, j'enroule doucement. J'inspire, je déroule. Je contrôle la montée, je contrôle ma descente. À chaque fois, vous partez du plancher pelvien. Vous remontez la contraction abdominale. Le mouvement est fluide. Faites bien glisser vos doigts. Les mains restent à plat sur le tapis. Je fais glisser mes doigts vers le mur pour que mes épaules s'abaissent. On le fait encore une dernière fois. On va rester en position pour le 100. On monte un petit peu les bras, les doigts tendus, serrés, coude tendu. On va faire des petits battements. Vous allez faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le haut du buste et le bassin ne bougent pas. Toujours votre centre, hein, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Les côtes sont rentrées. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Petit battement qui part des épaules. Des bâtons à la place des bras. Donc là, on va allonger tout doucement ses jambes vers l'oblique. On va prendre la pilates position. Vous ouvrez les hanches, hein, vous ouvrez les genoux, vous ouvrez les pieds. On est en rotation externe. Les genoux sont tendus, pieds pointés. Et là, vous pressez vos talons l'un contre l'autre, de façon à contracter les muscles inférieurs des cuisses, les muscles adducteurs. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Après, si vous le sentez, vous pouvez baisser vos jambes. Plus j'abaisse mes jambes, plus ça va être difficile au niveau abdominaux, au niveau lombaire. C'est trop difficile, hein, je remonte mes jambes. C'est encore trop difficile, vous restez en chaise renversée. Après, c'est à vous d'adapter. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Ouvrez bien vos hanches, hein, pressez vos talons, tirez sur vos jambes. Les genoux sont tendus, les pieds sont pointés. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Aucun mouvement au niveau du ventre. On le fait encore une dernière fois. 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. On revient en chaise renversée, one leg stretch, tête épaule décollée si vous pouvez, ça tire trop, vous reposez la tête et les épaules surtout. On va venir placer la main droite sur l'avant de la cuisse gauche, la main est on croise, on va travailler la coordination. Donc là, on va allonger tout doucement la jambe droite vers l'oblique. J'ai placé ma main droite sur mon genou gauche. Après, vous pouvez venir placer la main gauche au niveau de la cheville si vous voulez, d'accord ? C'est trop difficile, vous faites que la main droite. Donc là, j'expire sur ma jambe droite, j'inspire, je change. Vous expirez sur une jambe et vous inspirez sur l'autre. Donc à chaque fois, vous revenez, vous ramenez bien le genou vers vous. On vient placer la main sur l'avant de la cuisse opposée et l'autre main sur la cheville. Hein. Précis au niveau des jambes. J'expire sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Le bassin ne bouge pas, c'est un bloc. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Et tendez bien vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Cherchez la précision au niveau des jambes hein, et la coordination. C'est trop difficile avec les bras, vous faites sans les bras. Hein. J'inspire, j'expire. Allongez bien vos jambes jusqu'au bout des orteils. Et vous ne lâchez pas au niveau du centre. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en chaise renversée. Double leg stretch. Tête épaule décollée si vous pouvez. Bras tendus dans le plafond pour nous un face à face. On va prendre la pilates position. Donc là, vous ouvrez les hanches. Les talons sont en contact. Pieds pointés. Donc là, on va expirer. Allongez tout doucement les jambes devant. On emmène les bras derrière. Les épaules restent abaissées. Les côtes sont rentrées. J'inspire, je replace les mains. Après, au niveau des genoux. J'expire, j'éloigne. J'inspire. Donc, petit mouvement départ. N'allez pas trop bas. Les épaules restent bien abaissées. Les côtes sont rentrées. Toujours en pilates position. Vous ouvrez les hanches. De façon à travailler les muscles internes des cuisses, les muscles adducteurs. Votre bassin ne bouge pas. C'est un bloc. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Si vous le sentez, vous pouvez chercher plus bas avec les bras, plus bas avec vos jambes. Plus j'abaisse mes jambes, plus ça va être difficile au niveau abdominal, au niveau lombaire. Et je contrôle le mouvement. J'expire. J'inspire, je reviens. Et à chaque fois, vous ramenez bien vos mains au niveau des genoux. Toujours votre centre engagé, hein, le bassin ne bouge pas, les côtes sont rentrées. Ouvrez vos hanches, pressez vos talons encore deux fois. La dernière. On revient ciseaux. On allonge la jambe droite vers le plafond, la jambe gauche vers le tapis. On s'arrête avant de poser le talon sur le tapis. Si vous pouvez tendre votre genou, vous tendez votre genou. Sinon, je garde le genou fléchi. On attrape soit la cuisse, soit la jambe, soit la cheville. Ça dépend de votre souplesse. Donc, ciseaux. On va inspirer, faire un ciseau de jambe. On va croiser à peu près à mi-hauteur. On expire, on tire. Dès que je tire vers moi, j'allonge ma jambe vers le mur devant, je contrebalance. J'inspire, je fais le ciseau. J'expire, je tire. Donc là, j'inspire, ciseau. Et j'expire, je tire. Et vous cherchez à tirer un peu vers vous hein, pour avoir l'étirement derrière votre cuisse, toujours en contrebalançant avec l'autre jambe devant. Le bassin ne bouge pas, hein, c'est un bloc. Cherchez la fluidité. Et puis on tient un petit peu plus hein, sans forcer. Le bassin ne bouge pas, on le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en chaise renversée, criss-cross complet.
Donc, tête, épaule décollée, les coudes en ouverture. J'expire, rotation à droite, j'allonge ma jambe gauche vers l'obliquo, j'inspire, je reviens. Rotation à gauche, j'allonge jambe droite. Donc, la rotation, c'est vers le genou qui est fléchi. Le bassin ne bouge pas. Et on enchaîne direct. Précis au niveau des jambes. Contrôlez votre mouvement. Et on cherche la fluidité. J'expire, j'inspire. On garde les coudes ouverts. Ne tirez pas sur votre nuque. Bien aspirez votre nombril. Et là, on se concentre sur les obliques qui font la rotation du buste. Aucun mouvement au niveau du ventre. Allongez bien vos jambes jusqu'au bout des orteils. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On attrape les genoux, on relâche un petit peu, on décontracte un petit peu le ventre. On repose ensuite le bas du dos, on repose les pieds, one leg circle. Donc là, on allonge la jambe gauche sur le tapis, le pied gauche est pointé vers le mur devant. J'allonge ma jambe droite vers le plafond. Le genou tendu, si vous pouvez, ça tire un peu, vous fléchissez votre genou. Le pied pointé vers le plafond. Les bras le long du buste. Donc là, le bassin ne bouge pas. Simplement, mon fémur qui tourne dans l'articulation de ma hanche. J'inspire l'intérieur du cercle. J'expire l'extérieur. Et on équilibre les cercles. Donc, cherchez l'allongement de vos jambes. Le bassin ne bouge pas. On cherche l'axe vertical avec la jambe. J'inspire l'intérieur. J'expire à l'extérieur. Encore trois fois. Une dernière fois. On change de sens. Donc, j'inspire intérieur, j'expire extérieur. J'inspire, j'expire. Cherchez la fluidité. Essayez de vraiment allonger vos jambes sans bouger votre bassin. Les côtes sont rentrées. Relâchez bien vos épaules également. Simplement le fémur qui tourne l'articulation de votre hanche. On cherche la fluidité. Encore deux fois. Une dernière. On repose tout doucement la jambe droite. Pied pointé. Vers le mur devant, j'allonge ma jambe gauche, le genou tendu ou fléchi, pied pointé. Le bassin ne bouge pas, c'est un bloc. J'inspire à l'intérieur du cercle, j'expire à l'extérieur. Cherchez la fluidité sur votre mouvement. Cherchez l'allongement de vos jambes jusqu'au bout des orteils. Les côtes sont rentrées, les épaules sont basses. Et on cherche l'allongement de la colonne du coccyx au sommet du crâne. Encore un dernier. La même chose dans l'autre sens, j'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Cherchez la fluidité sur votre mouvement, sans bouger votre bassin. Bien lâchez vos épaules et je contrôle. Si vous pouvez tendre vos genoux, vous tendez au maximum. Sinon, on fléchit, on ne force pas pour votre souplesse. Encore deux fois. Le dernier. Et on repose tout doucement. Les pieds à plat, largeur du bassin pour le shoulder bridge. Les genoux sont fléchis. Donc là, vous allez pouvoir retirer le coussin, pas de coussin sous la tête pour ce mouvement. Les bras le long du buste. On gardera les bras posés sur le tapis pendant tout le mouvement. On va inspirer par le nez. Les côtes vont s'écarter latéralement. Sur l'expiration, je remonte pubis. Je creuse mon ventre. J'imprime mes lombaires contre le tapis avec mes abdominaux. Ensuite, je monte le bassin. Donc là, je contracte mes fessiers. Je soulève le bassin, je tire le pubis vers le plafond et j'aligne mon bassin entre mes genoux, mes épaules, mes côtes sans rentrer. J'inspire, je stabilise. J'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, les unes après les autres. Donc là, il faut bien contracter vos obliques, bien rentrer vos côtes. Ensuite, je déroule mes lombaires. Là, il faut bien creuser votre ventre, les unes après les autres. Et je retrouve la position neutre au niveau du bassin. J'inspire, je stabilise. À nouveau, j'expire. Les abdominaux. Ensuite, fessiers, je soulève le bassin, je contracte. J'inspire, je stabilise, j'appuie autant pied droit que pied gauche et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires. C'est de passer toutes les vertèbres les unes après les autres sur votre tapis et à chaque fois, on retrouve cette position neutre au niveau du bassin. J'inspire, je stabilise. À nouveau, les abdominaux, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction, j'appuie autant pied droit que pied gauche. J'inspire, je stabilise et j'expire, je déroule. J'inspire, je stabilise. À nouveau, j'expire. Sur la prochaine répétition, vous garderez le bassin soulevé, aligné entre les genoux, les épaules. Les côtes sont rentrées et les fesses, le bassin ne doit pas descendre. D'accord ? Je garde le bassin soulevé. Vous allez allonger votre jambe gauche. Le pied, tirez vers vous, pied flex. J'ai ma cuisse gauche parallèle à ma cuisse droite. Donc, je garde toujours les cuisses parallèles. Le bassin reste soulevé. Mes côtes sont rentrées. C'est un tout petit mouvement. On va expirer, écarter légèrement la jambe gauche vers l'extérieur. Et j'inspire, je reviens en l'axe. On expire, on écarte vers l'extérieur. Et on inspire. Un tout petit mouvement.
On le fait ensemble. J'expire. Et j'inspire. On écarte légèrement le pied bien flex. Un genou tendu si vous pouvez. Et on garde le bassin soulevé. Le centre engagé. Voilà, petit mouvement. J'expire, j'ouvre tout doucement. J'inspire encore deux fois. J'expire en ouvrant. J'inspire en revenant une dernière fois. On revient, on repose le pied, on allonge doucement. La jambe droite, pied flex. Les deux cuisses sont parallèles, hein, si vous pouvez. Le bassin reste soulevé. J'expire, j'ouvre un petit peu. Et j'inspire, je reviens. On ouvre un petit peu la jambe et la cuisse droite. Et on inspire, on revient. Et le bassin, il ne bouge pas. Toujours votre centre engagé, les côtes sont rentrées. On cherche la fluidité. Encore deux fois. La dernière. On revient en position départ. On repose les pieds. On va inspirer sur l'expiration. On déroule les vertèbres dorsales, les lombaires. Je retrouve la position neutre et on relâche un petit peu. On s'installe sur la tranche du corps pour le side lift. Donc, le bras tendu dans le prolongement du buste. La main est à plat sur le tapis. S'il y a des problèmes d'épaule, bah vous prenez le coussin, vous mettez votre bras devant, vous ne forcez pas. Sinon, vous pouvez tricher un peu, mettre la main, le bras en diagonale si vous voulez. Donc, les deux jambes en tension, j'aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. On engage le centre, on rentre ses côtes. On relâche bien le cou, les épaules, on garde loin devant les doigts, soit sur le tapis, plus facile, soit plus difficile, soit à couteau du pantalon. On va prendre un petit peu appui sur le coude. On va expirer, soulever tout doucement le haut du buste et les deux jambes simultanément. Donc là, je me concentre sur les muscles à taille, les muscles moyen fessier de la jambe de ciel et mes muscles adducteurs de la jambe de terre. On va le faire ensemble. J'expire, je monte doucement. J'inspire. Tirez sur vos jambes, toujours votre centre hein, et le bassin ne bouge pas. Le bras d'appui est bien relâché. Je contrôle ma descente. J'expire, je monte. Concentrez-vous également sur l'équilibre. Hein. Toujours votre centre, plancher pelvien transverse. Encore trois répétitions. J'expire, je monte doucement. J'équilibre la montée avec mes jambes et le buste. Encore deux fois. Tirez sur vos jambes, elles sont élastiques. Une dernière. Et on redescend tout doucement. On relâche un petit peu. Swan dive. Donc, les jambes tendues largeur du bassin. On appuie sur le dos des pieds. Les mains à plat au niveau des épaules. Hein, les doigts vers l'avant. Les coudes sont serrés près du corps. Donc, petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On a le pubis qui vient en contact avec le tapis. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, rentrer les côtes. On contracte les fessiers, on tend les jambes jusqu'au bout des orteils. Les pieds sont pointés. Donc là, je vous montre, les coudes restent serrés près du corps et on n'a pas les coudes posés. Les coudes restent décollés. Petit mouvement, je vous montre au départ. J'inspire, je soulève le buste avec les muscles spinaux. Quoi. Ensuite, je pousse un petit peu sur les mains. Et là, c'est important, c'est d'abaisser vos épaules. Il faut vraiment que les épaules s'abaissent. On cherche à glisser les points des omoplates sur les poches du pantalon. Le menton rentre un petit peu sur la poitrine. Et puis, on expire, on redescend. Après, si vous le sentez, je vous montre, vous pouvez monter de plus en plus haut. D'accord ? Le pubis, il reste toujours en contact avec le tapis. Et puis, on redescend. Donc, le menton, hein, pas complètement en arrière, pas complètement rentré, mais entre les deux. Et pensez vraiment à abaisser vos épaules au maximum. Les coudes toujours serrés. Pas ça, d'accord ? Et j'expire, je redescends doucement. On le fait ensemble. Petit mouvement de départ, toujours en tirant sur vos jambes. J'inspire, je soulève avec les muscles spinaux. Je pousse un peu sur les mains, je tire mes coudes, j'abaisse mes épaules. Je rentre un petit peu le menton, mais léger. Et j'expire, je redescends doucement. Et puis, on essaie de monter un petit peu plus haut si vous le sentez. S'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, vous cherchez à monter un petit peu plus haut. Sinon, vous ne forcez pas. Sans lâcher votre ventre, hein, surtout. Bien m'aspirer votre nombril. J'inspire, je monte doucement. J'expire, je redescends. Mais c'est d'appuyer autant main droite que main gauche. Et pensez, hein, dès le départ, il faut vraiment abaisser vos épaules. On doit sentir le glissement des omoplates comme on a fait à l'échauffement, hein, qui glisse vers les poches du pantalon. Si vous le sentez, vous montez un petit peu plus sur l'extension. Toujours en contractant vos fessiers, en tirant sur vos jambes. J'inspire, je monte doucement. J'expire, je redescends. Encore deux fois. Une dernière. J'inspire en montant. J'expire en redescendant. Double leg kick. On va faire le buste et les jambes. Donc là, vous allez pouvoir attraper les doigts dans votre dos. Tournez la tête côté droit ou côté gauche, hein, de toute façon, pour pouvoir me voir. La joue posée sur votre tapis. Ensuite, on va prendre la pilates position. Rotation externe des hanches avec les fessiers. On contracte les fessiers. On ouvre bien les hanches. On presse les talons l'un contre l'autre. Ensuite, vous allez pouvoir fléchir vos genoux. Talon plafond. Les pieds sont flex. Ça, c'est la position de départ. Soit vous garderez les genoux posés sur le tapis plus facile, soit vous pourrez décoller un petit peu les genoux plus difficiles du tapis. Donc là, je vous montre. Ça, c'est la position de départ. J'ai la joue posée, talon plafond, pied flex. Je vais inspirer, tendre mes jambes. Les pieds sont pointés. Je soulève le buste
tête dans l'axe, je rentre un peu le menton sur la poitrine, je tire les épaules vers le bas, je glisse mes omoplates sur les poches du pantalon. Je marque un petit temps d'arrêt, une ou deux secondes, et j'expire. Je relâche, j'amène le talon au plafond, je flex, je viens poser ma joue gauche. J'inspire, je tends mes jambes, je soulève le buste. Donc là, je suis en rotation externe, je glisse mes omoplates, je pousse au sommet du crâne vers le mur devant, et j'expire, j'amène le talon au plafond, je flex. On va le faire ensemble. Position de départ, talon, plafond, pied flex. Je pose ma joue droite ou ma joue gauche, comme vous voulez. On change de côté à chaque fois, de toute façon. On va inspirer. Donc là, j'inspire, je soulève, je tire sur les bras, je tends mes jambes, pieds pointés, je marque un petit temps d'arrêt et j'expire, je relâche. Oh, j'amène talon plafond, je flex, je pose ma joue. J'inspire, je tire sur les bras, sur les jambes, menton rentré et j'expire. Oh, et bien aspirer le nombril. Vous ne lâchez pas le centre. Hein. Donc, cherchez vraiment à dégager vos épaules, tirer sur vos jambes, toujours pilates position. Vous ouvrez les hanches, hein, vous pressez vos talons. J'inspire, je monte, l'extension dans le haut de votre dos, hein, sans lâcher au niveau du ventre. Et j'expire. Cherchez la fluidité sur votre mouvement. Bien pousser le sommet du crâne à chaque fois vers le mur devant. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Une dernière fois. J'inspire, je soulève, je glisse mes omoplates. Et on relâche un petit peu. On s'installe pour le side lift. De l'autre côté, donc là, vous changez bien de côté, surtout le bras tendu dans le prolongement du buste. La main est à plat sur le tapis. On pose la tête sur le bras. Les deux jambes sont en tension. On aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, rentrer les côtes. On relâche bien le cou et les épaules. On garde loin devant, les doigts sur le tapis ou sur la côte du pantalon. On va inspirer. Sur l'expire, on prend appui sur le coude. On soulève le buste et les deux jambes simultanément. Puis on inspire, on redescend, on repose à peine. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Donc je me concentre sur les muscles à la taille, les muscles moyens fessiers de la jambe de ciel et les muscles adducteurs de la jambe de terre. Essayez de vraiment équilibrer votre mouvement. Toujours en tirant sur vos jambes, partez bien de votre centre. Le mouvement est fluide. Encore deux fois. J'expire. La dernière. Et vous allez pouvoir relâcher. On vient s'asseoir tout doucement. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Pour le spine twist. Donc là, les jambes, vous allez pouvoir écarter vos jambes plus que la largeur du bassin. Les pieds sont pointés. Donc pas flex, pas tiré vers vous, mais les pieds pointés hein, vers l'avant. Donc là, on pousse sur les points des fesses. Ça tire un petit peu trop. Vous allez pouvoir fléchir vos genoux ou bien placer les plantes de pieds face à face, d'accord, au choix. Donc là, on redresse la colonne vertébrale, on pousse sur les points des fesses, on engage le centre, on rentre ses côtes. Vous allez pouvoir croiser vos doigts comme ceci, et on imagine avoir le gros ballon entre ses bras. Donc on éloigne un petit peu les mains de la poitrine, les coudes sont fléchis en ouverture. Important, les doigts restent dans l'axe de votre sternum, ça c'est le repère. Les épaules sont basses, on va inspirer. Sur l'expiration, on fait une rotation du haut du buste, on accompagne du regard, n'allez pas trop loin. J'inspire, je reviens. Et j'expire, rotation de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et à nouveau, j'expire. Donc, petit mouvement au départ, le bassin ne bouge pas, hein, c'est un bloc. La tête, les bras et le corps forment un seul bloc également qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur le travail des muscles à taille, les muscles obliques qui font la rotation du buste. Tous les spinaux également travaillent le long de la colonne vertébrale. Et pensez toujours les doigts dans l'axe de votre sternum. Hein. Et j'accompagne du regard, comme si on avait une minerve. J'expire, rotation, j'inspire, je reviens, et à nouveau, je suis un peu plus loin à chaque fois sur la rotation, si vous pouvez, sans que les pieds glissent, sans que le bassin bouge. On le fait encore une dernière fois de chaque côté, pensez, on tient le gros ballon entre ses bras, j'inspire, je reviens, et j'expire. On revient en position de départ, on relâche un petit peu. Ensuite, spine stretch. Donc là, toujours les jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin. Vous tirez cette fois-ci les pointes de pied vers vous, les pointes de pied flex. On redresse la colonne. On imagine avoir un mur derrière. Et là, vous allez garder vos bras tendus parallèles au sol. Les bras, ils ne plongent pas dans le tapis. Les bras sont toujours parallèles au sol. Les épaules restent abaissées. Donc là, j'imagine avoir le mur derrière, épaules basses. On essaie de bien se redresser. On engage le centre, on rentre ses côtes. On va inspirer sur l'expiration. J'enroule par le haut, cervical, dorsal, lombaire. Donc j'enroule par-dessus la barrière, je creuse mon ventre. J'abaisse mes épaules et je pousse le sommet du crâne
vers le mur devant, j'étire ma chaîne postérieure. J'inspire, je stabilise. Et là, j'expire, je creuse le ventre, je déroule tout doucement. Mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales le long du mur. Je m'auto-grandis le long du mur. J'inspire, je stabilise. J'expire, j'enroule tout doucement. Cervicales, dorsales, lombaires. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. Lombaires, dorsales, cervicales. On redresse bien sa colonne. Les épaules restent toujours abaissées. À nouveau, j'enroule. Je suis de plus en plus loin si vous pouvez. Ça tire trop, vous pouvez fléchir les genoux. N'hésitez pas à fléchir les genoux. J'inspire, je stabilise et j'expire. À chaque fois, vous creusez le ventre, hein, vous partez bien du plancher pelvien, vous remontez la contraction abdominale, aussi bien en enroulant qu'en déroulant. Relâchez bien vos bras également. J'expire, j'enroule. Cervicale, dorsale, lombaire. J'inspire, je stabilise et j'expire, je déroule tout doucement. On le fait encore une dernière fois. Les bras sont parallèles au sol, les épaules basses. J'enroule par-dessus la barrière. On va chercher de plus en plus loin devant. Je pousse le sommet du crâne vers le mur devant. Je creuse bien mon ventre. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. Lombaire, dorsale, cervicale. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On va resserrer les jambes largeur du bassin. Les pieds restent flex. C'est le roll-up. Donc, paume de main face à face, bras tendus. Je vous montre habituellement le roll-up, on descend tranquillement et on revient en position neutre. D'accord ? Et bien là, on va partir du spine stretch, hein, paume de main face à face, je vous montre. Donc, je pars du spine stretch, hein, d'accord ? J'inspire, j'expire, je passe directement au roll-up, je creuse mon ventre, hein, je descends tranquillement. Les pieds sont flex, mes bras sont relâchés, paume de main face à face, j'inspire, je stabilise et j'expire, j'enroule directement et je repasse en spine stretch. Hein, et on va grappiller un petit peu plus, d'accord ? On ne revient jamais en position neutre, d'accord ? On part du spine stretch et on passe au roll-up. On va le faire ensemble, donc on commence par le spine stretch. On imagine avoir le mur derrière, épaules basses, paume de main face à face, les pieds sont flex. On va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule, hein, ce qu'on vient de faire. Cervicale, dorsale, lombaire, je creuse mon ventre. J'abaisse mes épaules, je pousse le sommet du crâne vers le mur devant. Ça, c'est la position de départ. J'inspire, j'expire, je creuse le ventre. Et là, je déroule tout doucement, je tire le bas du dos vers le tapis, hein, mon corps forme un C. J'inspire, je stabilise, pied flex, hein, et j'expire, j'enroule directement, hein, directement spine stretch, on enroule loin devant, on creuse bien son ventre, paume de main face à face, épaule basse. J'inspire, je stabilise, et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale. Après, s'il n'y a pas de problème lombaire, on descend de plus en plus bas, sinon vous ne forcez pas. J'inspire, j'emmène les bras derrière, les côtes sont bien rentrées, paume de main face à face. Une fois que les mains passent au-dessus du regard, j'expire, j'enroule tranquillement, je creuse mon ventre, et directement, j'enchaîne le spine stretch, hein, on va chercher loin devant. J'inspire, je stabilise. À nouveau, j'expire, je creuse le ventre. On descend tranquillement. Donc, ne forcez pas, hein, ça tire un peu trop. Si le problème lombaire, vous ne descendez pas complètement, vous allongez. Paume de main face à face, j'inspire. Une fois que les mains passent au-dessus du regard, j'expire, j'enroule tranquillement, je creuse le ventre. Les bras sont parallèles au sol, mes épaules sont basses. J'inspire, à nouveau, j'expire. Hein. Ne faites pas un grand mouvement s'il y a des problèmes lombaires, surtout. Hein. Arrêtez-vous éventuellement ici, sinon on descend complètement. J'inspire les bras derrière. Une fois que les mains passent au-dessus du regard, j'expire, j'enroule doucement. Mes pieds sont flex. Partez bien du plancher pelvien, remontez la contraction abdominale. Et on va chercher à grappiller loin devant. J'inspire, je stabilise. J'expire. On part du plancher pelvien, on remonte la contraction. J'inspire derrière. J'expire, j'enroule. Ouais, je suis loin devant, les pieds sont flex, les bras sont parallèles au sol. Une dernière fois, j'expire, je bascule, je creuse le ventre. Moi, je suis derrière. Si vous pouvez descendre complètement, vous descendez complètement. Je pose ma tête, j'inspire, j'emmène les bras derrière. Les côtes sont bien rentrées. Une fois que les mains passent au-dessus du regard, j'expire, j'enroule doucement. Moi, je suis loin devant. Et on revient tranquillement en position de départ. On relâche un petit peu. Très bien. On s'installe ensuite sur le côté pour le side bend. On va passer en appui. Donc, sur l'avant-bras, plusieurs options. Soit option sur le coude, hein, sur l'avant-bras. Les genoux sont fléchis. On a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre, talon près des fessiers. On n'est pas cuisse perpendiculaire par rapport au buste. Hein. Vous ouvrez un petit peu l'angle et toujours les doigts alignés par rapport aux genoux. S'il n'y a pas de problème de poignet, vous passez en appui sur votre main. Les doigts ouverts vers l'extérieur, le coude rentré. Important, l'épaule reste abaissée, hein, pas d'épaule qui monte. On garde toujours l'épaule abaissée pendant tout le mouvement. Ça, c'est l'option jambe, d'accord ? Après, l'option pied. Le pied à plat de la jambe de ciel vers l'extérieur, l'autre sur la tranche derrière. Et là, j'expire, je monte, on monte les deux.
et on redescend. Il se tend complètement les genoux. Après, vous pouvez faire l'option avant-bras également et sur les jambes. Je tends mes deux genoux, je monte le bassin et j'inspire. Je redescends et je repose à peine la fesse. Pensez à l'épaule toujours abaissée. Pendant tout le mouvement, je garde mon épaule bien abaissée. Donc, prenez l'option que vous voulez. Ne forcez pas surtout. Coup de rentrée, on engage le centre, on rentre ses côtes, on va inspirer. Sur l'expiration, je prends appui sur la main et sur le pied ou sur la jambe. Je pousse le bassin au plafond, la paume de main tournée vers le sol. J'inspire, je descends, je m'éloigne de la main et je remonte. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Je contrôle la montée. Je contrôle ma descente. Toujours un mouvement fluide. Hein. C'est calé sur la respiration. Bien fixer l'épaule omoplate. Les côtes sont rentrées. Encore 3 répétitions. C'est de tendre complètement les genoux. Pousser le bassin vers le plafond et vers l'avant. Encore 2 répétitions. La dernière. Et on va rester en position. On maintient la position. Donc là, vous poussez bien sur votre bras. Les épaules restent abaissées, les côtes sont rentrées, vous tendez vos genoux, une dernière respiration thoracique. On revient en position, s'asseoir tranquillement. On attrape la cheville, on monte le bras d'appui, j'abaisse mon épaule, je rentre mes côtes. La paume de main est tournée vers l'intérieur et on incline légèrement le buste. On maintient l'étirement sur la chaîne latérale. Les côtes sont rentrées, hein, mes épaules sont basses. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. On va passer en position à plat ventre pour le swimming. On va être en chaîne croisée, bras et jambes opposées. Donc là, les jambes tendues largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. Les bras tendus dans le plongement des épaules. S'il y a des problèmes d'épaule, vous ne forcez pas surtout. Donc là, les paumes de main tournées vers l'intérieur, les mains en couteau, doigts tendus serrés. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. Donc là, je fais une petite rétroversion. J'ai mon pubis qui vient en contact avec le tapis. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, rentrer les côtes. On contracte les fessiers, on tend les jambes jusqu'au bout des orteils. Les pieds sont pointés vers la vitre derrière. On va soulever le haut du buste avec les muscles spinaux. La tête décolle, montons, rentrer. C'est la position de départ. Ensuite, on va inspirer. Sur l'expiration, on va soulever tout doucement bras droit, jambe gauche. On inspire, on descend, on soulève bras gauche, jambe droite. Vous ne tirez pas sur les bras. Si vous tirez sur les bras, les épaules remontent. Simplement, je soulève le bras. Les épaules restent bien abaissées. Par contre, vous tirez sur vos jambes. Ne cherchez pas la hauteur. On fait un petit mouvement. On va le faire ensemble. Donc, vous gardez bien le haut du buste soulevé. Toujours votre centre engagé. Le menton un petit peu rentré sur la poitrine. Donc, on va inspirer. Sur l'expiration, on soulève bras droit, jambe gauche. On inspire, on descend. On soulève bras gauche, jambe droite. Et vous alternez. Soit vous reposez à chaque fois bras et jambes sur le tapis. Soit vous effleurez si vous pouvez. Donc, j'inspire sur un bras, j'expire sur l'autre. Gardez bien vos épaules abaissées, hein. Toujours votre centre engagé. Tirez sur vos jambes, les sont élastiques. Le menton rentré, on cherche la fluidité sur le mouvement. Donc là, j'inspire, j'expire. On va faire un peu plus rapide. On va faire 4 battements alternés sur l'inspire, 4 battements sur l'expire. Donc j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. J'inspire. J'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. Donc, le haut du buste et le bassin ne bougent pas. Hein. Toujours 4-4. Hein. 4 sur l'inspire, 4 sur l'expire. Un petit mouvement. Rentrez bien votre menton. Aspirez votre nombril. Tirez sur vos jambes. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. On le fait encore une dernière fois. 4 battements sur l'inspire, 4 battements sur l'expire. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Leg pull pro, un train de gainage. On va passer un appui sur les mains. On appuie sur les genoux. S'il y a des problèmes de poignet, passez en appui sur les poings ou en appui sur vos avant-bras éventuellement. Donc les mains à peu près sous les épaules. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On engage le centre, on rentre ses côtes. On pousse un petit peu sur les mains, on écarte les omoplates, épaules basses. On passe en appui sur les orteils, on va tendre ses genoux. Ça c'est la position de départ. Donc pas les fesses hein, qui montent, c'est de garder l'alignement cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Soit je garde cette position sans bouger. Et j'ai juste mes respirations latérales thoraciques. Sinon, plus difficile, on va expirer. Donc, on va descendre tout doucement talon vers le tapis. Ça va étirer un peu les mollets. Et j'expire, je soulève mes talons. Je transfère le poids du corps vers l'avant. Donc, j'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. Sur la pointe des pieds. C'est un mouvement d'avant en arrière. Je transfère. Je contrôle. J'appuie autant pied droit que pied gauche. Autant main droite que main gauche. Donc, j'expire, je transfère vers l'avant. J'inspire, je descends mes talons vers le tapis. Toujours votre centre engagé. Poussez bien le sommet du crâne vers le mur devant. On cherche à éloigner les épaules du bassin. Et on cherche la fluidité. Ne lâchez pas le centre. Autant main droite que main gauche. Autant pied droit que pied gauche. Encore 2 fois.
La dernière, on reste en position avant. On maintient la position, toujours votre centre. Ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Les côtes sont bien rentrées. Une dernière respiration latérale thoracique. On est sur le bout des orteils. On revient en position de départ. Je repose un genou puis l'autre. On vient s'asseoir sur les talons. On étire un petit peu ses bras à son dos. On avance tranquillement main droite, main gauche. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend appui sur les mains, on déroule son dos vertèbre par vertèbre. Le side bend de l'autre côté. On appuie donc sur l'avant-bras. Le coude sous l'épaule, la main est à plat, les genoux sont fléchis. On a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre, talons près des fessiers. Donc ouvrez bien l'angle entre les cuisses et le buste. S'il n'y a pas de problème de poignet, je passe sur la main, dos vers l'extérieur. Sinon, je reste sur l'avant-bras. Soit option jambe, soit option pied, comme vous le sentez. On rentre un petit peu le coude, on rentre ses côtes, on engage bien le centre. On va inspirer sur l'expiration. Je prends un appui sur la main et sur la jambe ou sur le pied. Je pousse le bassin au plafond. Le bras passe autour de mon oreille. La paume de main tournée vers le sol. J'inspire, je descends, je m'éloigne. L'épaule reste bien abaissée. J'expire, je monte. J'inspire. Toujours fluide. Vous pouvez le faire sur le pied si vous voulez. Faites bien tendre vos genoux à chaque fois. On redescend, on contrôle. Calé sur la respiration. Cherchez la fluidité sur votre mouvement, aussi bien en montant qu'en descendant. Encore deux répétitions. Le mouvement est fluide. Voilà, montez au maximum, tirez bien sur votre bras. Une dernière, on reste en position. Les épaules restent abaissées, les côtes sont rentrées, toujours votre centre. Une dernière respiration thoracique. On revient en position de départ. On attrape la cheville. On monte le bras d'appui sur le plafond, on incline légèrement le buste. Donc épaules bien abaissées, les côtes sont rentrées, toujours votre centre. Et on maintient l'étirement sur la chaîne latérale. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. Leg pull supine, on va tracer une postérieure. Donc là, on va reprendre la pilates position. Vous allez ouvrir les hanches en rotation externe. On ouvre les genoux, on ouvre les pieds. Les talons sont collés l'un contre l'autre. Les genoux tendus, pieds pointés. Les mains à plat sur le tapis. Donc soit vous mettez les doigts vers l'arrière, comme ceci, soit les doigts vers l'extérieur, plus facile. Soit les doigts vers l'avant, soit on appuie sur les poings. S'il y a des problèmes de poignet, s'il y a des problèmes d'épaule, problème de poignet, vous ne forcez pas, en fait, à la sensation surtout. Donc on va éloigner un petit peu les mains du bassin, on va redresser le haut du buste avec les muscles spinaux, on engage le centre, on rentre ses côtes. Les épaules sont basses, on va inspirer. Sur l'expiration, on soulève tout doucement le bassin, on aligne le bassin entre les chevilles et les épaules. On inspire, on redescend, on repose à peine et on remonte. Donc le menton, il reste toujours rentré sur la poitrine, je regarde devant moi, les pieds sont pointés. Et j'inspire, je repose à peine. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Regardez vos épaules abaissées. Je contracte mes fessiers, j'ouvre mes hanches. On cherche la fluidité. Encore deux répétitions. La dernière, on garde le bassin soulevé. Donc le bassin ne bouge plus. Soit je garde cette position sans bouger, je fais juste mes respirations thoraciques. Sinon, plus difficile. On va inspirer. Sur l'expiration, on soulève. Pied droit, on inspire, on repose, le bassin il ne descend pas. Je garde le bassin soulevé. J'expire, je mets le pied gauche. Toujours en pilates position, rotation externe. Vous ouvrez les hanches, vous tirez sur vos jambes. Cherchez la fluidité sur votre mouvement. Aucun mouvement au niveau du ventre. Les côtes sont rentrées et je contrôle. J'expire. On le fait encore une dernière fois, on cherche l'alignement. On redescend tout doucement, on relâche un petit peu. Hip twist. Donc hip twist, mouvement difficile. Plusieurs options. Donc là, on ne va pas être en position neutre au niveau du bassin. On va passer en flexion lombaire. On va arrondir le bas du dos. D'accord ? Les doigts, si vous pouvez mettre derrière, vous mettez vos doigts derrière comme ceci. Soit les mains à plat, soit sur le bout des doigts. Après, plus facile, vous pouvez placer vos doigts de chaque côté comme ceci. D'accord ? Donc plus je rapproche, plus c'est facile. Plus on va éloigner derrière, plus ça va être difficile. On va le faire ensemble, donc hip twist, petite bascule du bassin, j'engage mon centre, je rentre mes côtes, je place mes mains derrière, les mains à plat ou sur le bout des doigts, on va redresser un peu le haut du buste avec les spinaux, mais sans lâcher au niveau du ventre. Les épaules sont basses et on décolle les deux pieds. Les genoux sont serrés, les pieds serrés, et là on va transférer le poids du corps d'une fesse sur l'autre. On va inspirer, sur l'expiration on transfère le poids du corps sur une fesse, on inspire, on revient, j'expire, je transfère sur l'autre fesse. Tout petit mouvement. Les pieds restent pointés, sans bouger vos épaules, sans bouger le haut du buste.
Donc là, les épaules restent bien abaissées, je contrôle. Je me concentre sur l'avant des cuisses, sur les fléchisseurs de hanches. Les muscles de la taille également travaillent. Et on va faire une twist cancan, on va partir à droite. Donc là, on part à droite, j'expire. 1, 2, 3. Et on va inspirer, chercher à allonger les deux jambes si vous pouvez. On part à gauche, j'expire. Et j'inspire, j'allonge doucement les deux jambes ce que je peux. Si vous ne pouvez pas, vous faites un petit mouvement. 1, 2, 3 et on allonge doucement. Même chose, j'expire. J'inspire. Après, si vous pouvez tendre complètement, vous tendez complètement. Même chose. J'expire. J'expire. J'inspire. Sans bouger le haut du buste, hein, sans bouger vos épaules si vous pouvez. On garde bien les genoux serrés. Toujours votre centre engagé. J'inspire. J'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Hein, c'est calé sur la respiration. On cherche la fluidité. Dernière fois gauche. Et on revient en position de départ. On relâche un petit peu. Kneeling side kick. On va passer en appui sur les genoux. Donc, les genoux sous les hanches. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre au niveau du bassin. Donc, on cherche à emmener le pubis vers l'avant. Ensuite, on passe en appui sur la main gauche ou la main droite, comme vous voulez. Tiens, j'allonge l'autre jambe dans le prolongement. On cherche l'alignement. Cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Donc, j'allonge cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Je pousse le bassin, j'engage mon centre. Je rentre mes côtes. On n'a pas tout le poids du corps sur les doigts. Le poids du corps, il est plus sur mon genou, si vous pouvez. Hein. Plus sur votre genou, forcément un petit peu sur la main, mais au maximum sur le genou, si vous pouvez. Donc, le bassin vers l'avant, on engage bien le centre, les épaules sont basses. La main de la tête coude en ouverture. On va inspirer sur l'expiration, on soulève tout doucement la jambe et on inspire, on descend sans reposer. On le fait ensemble, j'expire, je monte. Donc là, je travaille les muscles moyens fessiers et les muscles à la taille. J'expire, je monte. Tirez bien sur votre jambe, toujours en cherchant à pousser le bassin, emmener le pubis vers l'avant. Le centre engagé. Encore deux fois. La dernière, on garde la jambe sous l'eau, on fait des petits cercles. J'inspire, je passe devant, j'expire, je passe derrière. J'inspire devant, j'expire derrière. Tout petit cercle, le bassin ne bouge pas. Hein. Le centre engagé, on essaie d'équilibrer autant devant que derrière. Et je contrôle, sans mettre tout le poids du corps sur mes doigts. Encore deux fois. Un dernier. On change le sens de rotation. Donc j'inspire devant, j'expire derrière. On cherche la fluidité. Hein. Le bassin ne bouge pas, toujours votre centre. Les épaules sont basses. Contrôlez bien votre mouvement. Encore deux fois. Et vous allez pouvoir relâcher. On enchaîne directement de l'autre côté. Donc pareil, les doigts, le genou et le pied alignés. On pousse le bassin. Donc cherchez où on est. La hanche au-dessus du genou. On engage le centre, on rentre ses côtes. La main à la tête, coude en ouverture. Donc là, on va inspirer. Sur l'expiration, on monte tout doucement, jambes tendues, pieds pointés. Puis on inspire, on descend sans reposer. J'expire, je monte. Donc pensez vraiment le pubis vers l'avant, toujours le centre. Je me concentre sur les muscles moyens fessiers, les muscles de la taille également. Tirez sur votre jambe, allongez bien jusqu'au bout des orteils et je contrôle. Encore deux fois. La dernière, on reste en position, trouvez des petits cercles. J'inspire, je passe devant, j'expire, je passe derrière. Tout petit cercle, j'inspire, j'expire, je contrôle. Tendez votre genou, allongez bien votre jambe, on cherche la fluidité. Je passe devant, derrière. Encore deux fois, sans bouger le bassin si vous pouvez. Le dernier, on change le sens de rotation. J'inspire devant, j'expire derrière. Genou tendu, les côtes sont bien rentrées, on cherche l'allongement de la colonne. Tirez sur votre jambe, hein, grandissez-vous. Encore deux fois. Le dernier. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Très bien. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Ensuite, teaser. Donc, teaser, comme pour le spine twist, un mouvement difficile, on n'est pas en position neutre. On va passer à nouveau en flexion lombaire. Donc, on arrondit un peu le bas du dos. Comme pour un début de roll-up, on engage le centre, on rentre ses côtes. Donc position, on va suite redresser un petit peu le haut du buste avec les muscles spinaux, mais sans lâcher au niveau du ventre. On décolle les deux pieds. Les pieds, les genoux sont serrés. D'accord ?
Ensuite, ça tire trop, mettez les mains sous vos cuisses, plus facile. Soit je mets les mains sous les cuisses, plus facile, soit plus difficile, les bras dans le plongement. Les doigts tendus serrés pour me donner un face à face, les doigts dans l'angle du plafond et du mur. Les épaules restent bien abaissées. On lève un petit peu le menton et toujours votre centre engagé. Les cuisses ne bougent pas. Je garde l'angle entre les cuisses et le buste. Hein. D'accord ? On garde toujours le même angle. Il ne faut pas que les cuisses avancent ou s'abaissent. J'inspire, je monte doucement les jambes ce que je peux. Et j'expire, je redescends doucement. Les cuisses ne bougent pas. On garde l'angle fermé entre les cuisses et la poitrine. Donc j'inspire, je monte doucement. J'expire, je redescends. Si vous pouvez tendre vos jambes, vous tendez vos jambes. Sinon, vous ne forcez pas. Sinon, vous mettez les mains sous les cuisses. Hein. Toujours partir de votre centre, plancher pelvien transverse. Les épaules sont relâchées. On cherche la fluidité, hein. C'est calé sur la respiration. Encore deux fois. La dernière. On va garder les joues fléchies. Donc, si vous pouvez garder vos jambes parallèles au sol, pieds pointés, parfait. Sinon, j'abaisse un peu mes jambes, ça tire trop. Vous reposez les talons, hein. Et toujours en flexion lombaire et votre centre engagé. J'inspire, je monte doucement les bras ce que je peux et j'expire, je redescends. J'inspire, je monte et j'expire. Toujours en pressant vos chevilles, en pressant vos genoux. Ne lâchez pas au niveau du centre. Hein. Agrandissez-vous, on cherche la fluidité. Calez sur votre respiration. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Encore deux fois. La dernière. Et là, je garde les bras levés. On allonge un petit peu les jambes si vous pouvez, mais c'est de bien se redresser. Toujours votre centre. Vous pressez vos jambes l'une contre l'autre. On n'est pas en apnée. Hein. Les côtes sont bien rentrées, les épaules sont basses. Une dernière respiration thoracique. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Très bien, tout le monde. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Vous allez pouvoir récupérer le coussin. Si vous avez un coussin, vous êtes sous votre tête. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Ensuite, on engage à nouveau le centre, on rentre ses côtes, on attrape le genou gauche avec les deux mains, on allonge la jambe droite sur le tapis, le pied droit flex, hein. Vous tirez la pointe de pied vers vous, vous poussez le talon vers le mur devant. Les coudes en ouverture, les épaules sont basses, et là vous tirez tranquillement le genou à la poitrine, hein, sans que la face décolle, et on cherche l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. On essaie de tirer un petit peu plus sur le genou, pousse un peu plus sur le talon, sans que les épaules remontent. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on garde la main droite sur le genou gauche, donc la main opposée au genou. D'accord ? Donc là, vous allez pouvoir attraper l'extérieur de votre genou et descendre le genou sur le côté droit, vers l'intérieur. C'est bien que la fesse décolle un petit peu. Donc ne décollez pas trop. Vous allez pouvoir écarter votre bras gauche. Donc le bras est perpendiculaire par rapport au buste, la paume de main tournée vers le plafond. Je pose le dos de la main au sol et je tourne tout doucement ma tête côté gauche. Je regarde ma main et j'appuie tout doucement avec ma main droite sur mon genou, mais léger. Mon centre est toujours engagé, mes côtes sont rentrées. Là, on étire la chaîne latérale. Donc, juste posez votre main, ne forcez pas, je pose ma main sur le genou, je relâche mes épaules, j'inspire, mes côtes s'écartent, j'expire, elles se referment. Et puis, on essaie d'appuyer un petit peu plus sur le genou, on tourne un petit peu plus la tête côté gauche, hein, sans forcer. Pour cette respiration latérale thoracique. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. On appuie encore un petit peu sur le genou, on tourne un petit peu la tête, hein, sans forcer. Une dernière respiration latérale thoracique. On revient en position de départ, on repose tout doucement. Son pied, on attrape le genou droit avec les deux mains, toujours votre centre engagé. J'allonge ma jambe gauche sur le tapis, le pied gauche, il est flex. Donc, les points de pied tirés vers vous, poussez le talon gauche vers le mur devant, vous tirez un petit peu le genou droit vers la poitrine, mais sans que la fesse décolle, les épaules sont basses.
J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. On cherche l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Je tire encore un petit peu plus sur le genou, on pousse un peu plus sur le talon devant. Les épaules sont détendues. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. À nouveau, on tire encore un peu sur le genou, on pousse sur le talon devant. Attention que vos épaules ne remontent pas, relâchez bien le cou, les épaules. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on garde la main gauche sur le genou droit, donc la main opposée. On va descendre le genou vers l'intérieur côté gauche, la fesse droite décolle un petit peu. On va écarter le bras droit sur le côté, perpendiculaire par rapport au buste, la paume de main tournée vers le plafond. Je viens poser le dos de la main au sol. Je tourne ma tête côté droit du côté de ma main. J'appuie un petit peu sur le genou, la fesse décolle. Mes côtes sont bien rentrées, mes épaules restent en contact avec le tapis. Et là, vous inspirez tranquillement par le nez, les côtes s'écartent. Et vous expirez par la bouche, les côtes se referment. Sans forcer, hein, surtout. Et puis, on tourne un petit peu la tête côté droit, un peu plus. On appuie un peu plus sur le genou pour descendre un petit peu plus. La face décolle forcément un peu plus. Les côtes sont toujours rentrées. Les pieds sont relâchés, hein. Et à nouveau, on tourne encore un petit peu la tête côté droit. On appuie un peu plus sur le genou. La respiration est fluide. Une dernière respiration latérale thoracique. On revient en position de départ, on repose un pied puis l'autre. Ensuite, on amène les genoux à la poitrine, on attrape les genoux. Toujours votre centre engagé, vous tirez tranquillement les genoux à la poitrine. Le bas du dos décolle un petit peu. On maintient l'étirement du bas du dos. Les épaules sont détendues. J'inspire autant que j'expire. Essayez de tirer encore un peu sur les genoux, tout doucement, progressivement. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. Soit vous gardez les pieds à plat sur le tapis, soit on allonge complètement ses jambes, au choix. On va finir par la respiration naturelle, la respiration abdominale, la cohérence cardiaque. Vous pouvez placer les mains sur votre ventre, fermer vos yeux si vous voulez. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement. Et j'expire petit filet par la bouche, le ventre se creuse naturellement. À nouveau, j'inspire sur 4 secondes, le ventre se gonfle. Et j'expire sur 6. Le ventre se creuse, un petit filet par la bouche. J'inspire sur 4, mon ventre se gonfle. J'expire sur 6. Mon ventre se creuse. À nouveau, j'inspire. Donc, sur l'inspiration, vous pouvez venir coller le bout de la langue si vous voulez, hein, sur votre palais, derrière les dents devant, ça envoie un signal de calme au niveau du cerveau. Et vous expirez sur 6, vous relâchez votre langue dans votre bouche, le ventre se creuse naturellement. À nouveau, j'inspire sur 4, je colle ma langue sur le palais. Et j'expire sur 6, je relâche ma langue. À
À nouveau, j'inspire. Une dernière respiration abdominale. On repose tout doucement les pieds à plat sur le tapis. On bascule tranquillement sur le côté droit ou gauche. On passe en appui sur les mains, en appui sur les genoux. On passe en appui sur les orteils. J'expire, je monte les fesses dans le plafond, je creuse mon ventre, j'imagine le mur derrière. Et je déroule tout doucement mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. Et c'est terminé. Merci beaucoup. Très bien. Donc j'espère que vous avez bien travaillé, hein, que ça vous a plu. J'espère que tout le monde. Voilà. Va bien. Donc, un petit peu plus difficile. Hein. On a enchaîné un peu plus pour les gens qui débutent. Voilà, un peu plus difficile ce soir. Hein. J'espère que vous avez bien senti le travail des abdominaux. Donc, pensez toujours hein, à me travailler vos enroulés tous les jours, travailler le gainage hein, tous les jours. Hein. Pensez également à me travailler votre respiration, hein, respiration abdominale, hein, super important. Donc, l'idéal, c'est de faire 5 minutes le matin, 5 minutes midi, 5 minutes le soir. Merci pour le commentaire. Hein. Donc ça, hein, la cohérence cardiaque, c'est vraiment primordial, surtout en ce moment. Hein. Il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir un petit peu de stress. Donc ça, il faut vraiment gérer son stress. Et grâce à la cohérence cardiaque, l'application hein, Respirolax sur le smartphone, qui est gratuite, ou sinon, bah, vous faites vos petites respirations 5 minutes. Hein. J'inspire sur 4, j'expire sur 6. Hein. Donc ou j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Hein. Ça, c'est vraiment super important à faire tous les jours. Donc bah, merci pour les petits commentaires. Merci à vous d'avoir... oui, c'était un peu dur hein, ce soir, mais merci de m'avoir suivi en tout cas. Oui, grosse séance ce soir, ouais, c'était un peu plus difficile. Vous risquez de le sentir. Hein. Donc, voilà. Donc, pensez vraiment un petit peu tous les jours, ça c'est la clé. Après, bah, vous essayez de refaire les séances qu'on a déjà faites. Hein. Donc là, c'est la 5e séance ce soir. Donc, pareil, je vais l'enregistrer, comme ça vous pourrez l'avoir en replay. Après, je vais essayer de couper avant et après, comme ça vous avez directement la séance, hein, plus condensée. Sachant que vous pouvez passer de façon le départ, hein, mais je vais essayer de couper hein, si je peux couper avant et après. Pensez également à vous hydrater, hein, ça c'est super important, surtout en ce moment il fait beau, donc voilà, pensez vraiment un verre toutes les heures si vous pouvez. Pensez également bah, la vitamine C, la vitamine D, hein, ça c'est primordial. Oui, dur, les derniers exercices, il twist un teaser, ça fait plus le cancan original, c'est le bouquet final, ouais. Merci pour les commentaires, Laurence. Oui, pour éliminer les chocolats, c'est clair. Jean-Jacques, t'es chaud, donc bah, on va pouvoir commencer alors. L'échauffement est terminé, c'est ça? Donc, bah, prochain rendez-vous, hein, mercredi prochain, 18h, pareil. Hein, donc, voilà. Je lis un peu les messages. Merci pour ce coup de nouveau, effectivement, un peu plus dur, mais ça fait du bien. Il y avait beaucoup de monde ce soir. Hein. Vous étiez voilà, en chat, il y a 130. Ouais, impressionnant, ouais. Merci, bah merci hein, pour tout. À mercredi prochain, ouais. Merci pour tous vos remerciements. Hein. Merci, ouais, c'est cool.
Donc voilà, donc il y a encore du monde à parler. Ouais, merci à toi, Valérie Durdur. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire les séances moins difficiles. Hein, il y a la séance numéro 1, 2, 3, 4 à faire. Voilà. Et puis. Parfait. Donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, continuez à vous entretenir. Hein, et puis, bah, j'espère que tout va bien de votre côté, hein, que le confinement se passe au mieux. Hein, et en faisant l'activité physique, normalement, voilà, ça fait forcément bien la tête, hein, les respirations également. Donc, voilà, vous êtes nombreux et nombreuses. Donc, bah, merci d'avoir suivi le cours. Hein, c'est vraiment super gentil, super sympa. Et puis, ça nous fait plaisir aussi. Puis, merci encore pour tous vos remerciements. On ne répond pas à tous les messages, les mails. On reçoit les messages, les mails tout le temps. Donc, bah, merci, merci. Voilà, en espérant bah, vous retrouver le plus tôt possible. Donc, là, on a une date. Donc, ça commence à se préciser. Et on est pressé de vous retrouver. Voilà. Donc, c'est une bonne soirée. Et puis, bonne fin de semaine et à mercredi prochain.